Coucou les amis, moi je suis super content, il fait beau, les groseilles, c'est magnifique les groseilles, et on est en pleine récolte les amis. Eh bien, je voulais vous associer pour un travail que l'on va faire dans quelques jours. Alors, je ne sais pas si je vous avais raconté, il y a quelques mois, nous avons semé de la grosse paresseuse ici, à cet endroit ici. Alors, cette salade a été mangée, il m'en reste encore quelques-unes, ainsi que dans l'autre jardin. Alors, je vous invite à l'affiner à la binette, tout simplement, vous préparez votre terre. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour les débutants, si vous avez une terre avec de la grosse, elle est compacte, elle est difficile, vous l'associez avec quelques kilos de terreau, ça va vous l'affiner tout doucement. Hein. Alors je vous invite le 11 juillet, on va semer ensemble et vous allez pouvoir faire ça chez vous, hein, un peu de laitue à couper tout simplement, ainsi qu'une petite ligne de radis, voilà, parce qu'il faut toujours penser, hein, et là, ce sont des graines que j'ai achetées, là je les ai pas fait moi-même, alors un petit peu de laitue à couper tout simplement bien connue, hein, et sachant que on aura comme ceci, on aura de la salade à manger au mois de septembre, et toujours prévoir. Là, ici, on va commencer à avoir beaucoup de tomates, mais pensez à votre salade au mois de septembre. Il faut le temps qu'elle arrive à maturité, et la salade à couper, on coupera plus ou moins les feuilles, et ça va repousser tout simplement. Voilà, donc je vous invite à affiner bien votre terre à la binette, et n'oubliez pas, essayez de travailler bien votre terre quand elle est sèche, comme ça, ça va super bien, et de l'associer avec du terreau, voilà, et ça va permettre de l'assouplir. Donc vous allez bien préparer votre terre, on se fera aussi une petite ligne de radis tout simplement ensemble, notre salade à couper. Vous savez que vous pouvez aussi également semer un petit peu de scarole. Voilà, ici elle est déjà semée, elle est dans la serre, elle partira dans l'autre jardin, et c'est aussi l'époque où on peut repiquer les poireaux. Mais ça, c'est une autre histoire, les amis. Ah, il y a moins de vent. C'est quand même... Alors, lune montante, le 11. Lune montante, très important pour la salade. Et jour feuille, c'est impeccable, les amis. Travaillez bien votre terre, les amis. Bon, alors, les amis. Alors, n'oubliez pas que lune montante, c'est pour semer les salades, semer beaucoup de plantes et de légumes, et lune descendante, c'est plutôt pour le repiquage. Voilà nos fameuses scaroles qui commencent à prendre un petit peu de vigueur, un petit peu petites pour repiquer, donc on attendra un jour où la lune sera descendante. Et n'oubliez pas le petit conseil numéro 2, c'est qu'on coupera le bord des feuilles, comme ça, ça fatiguera moins les racines et ça reprendra quand même beaucoup mieux. Voilà un petit peu d'échalotes que j'ai fait dans la serre, voilà, ça a très bien fonctionné, elles sont très jolies. Et voilà, et n'oublions pas qu'il va falloir que je me mette à récolter mes graines de Batavia, là, qui sont en train de tomber tout doucement, là. Je ne sais pas si vous les voyez. Là, les petits pompons de graines. Voilà, regardez. Allez, les amis, c'est pas tout ça. Donc, n'oubliez pas, le 11, on va semer ensemble, travailler bien votre terre. Et ajoutez-y du terreau pour les débutants, ça, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux, les amis. Je vous embrasse bien fort, beaucoup de réussite et beaucoup de joie et de bonheur. Regardez-moi ce petit concombre qu'on va remettre. Allez, mon petit. Alors, avec une seule main et en filmant, c'est pas top, les amis, hein. C'est comme ça qu'on fait les bêtises, mais c'est pour vous faire voir comment on accroche les concombres. Voilà, j'espère que vous avez à peu près vu. Allez, et puis il y en a à manger, hein, les amis, il y en a à manger. Vous avez vu celui-ci? Regardez, là, j'en ai deux autres, là, monstrueux aussi, également à manger. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye, les amis.